immersion dans d'une demi-journée dans un domaine et dans l'univers qui se passe pendant les vendanges. Et c'est la période qui, pour nous, est la plus importante car c'est là où tout se passe. La baguette, c'est le bois de l'année dernière. Donc c'est un rameau comme ça qu'on a laissé. On l'a couché durant le printemps sur le fil. Dessus, on a les nouveaux rameaux qui ont poussé et qui ont donné du raisin. Il y a le casse-route à 10h qui est fort sympathique. Merci. Je pense que c'est important de savoir comment ça se passe et de comprendre aussi quand on boit du vin qu'il y a tout ce travail, tout ce savoir-faire derrière. Pour vous montrer la différence avec un vin pas débourbé, c'est le vin de ce matin. Et là, au bout d'une nuit, les impuretés vont se déposer dans le fond de la cuve et vous aurez les jus que vous avez ici. Le jus et les peaux sont toujours en contact, on voit le jus. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de gaz. On voit le jus commence bien à se colorer, alors qu'avant il était beaucoup plus clair. Et là, vous avez une cuve derrière moi qui est en pleine fermentation. Et là, on voit plus de jus. Et regardez, comme je vous disais, les parties solides sont en surface et le jus est en dessous. Ensuite, il y a la dégustation dans la cave de Guyot. Vous allez goûter un Pernant premier cru blanc, même millésime 2020. Et après, on sera sur les rouges, que vous n'avez pas vendangé, mais vous allez les découvrir. Et puis un repas avec l'équipe de vendangeurs, une quinzaine ou 18 personnes à peu près, c'est familial. It's a unique experience and I'd recommend it to anybody. Je voulais absolument faire ça, je trouve ça vraiment génial, 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 et je reviendrai.